Le dimanche 1er septembre 1715, Louis XIV rend le dernier soupir. Louis XV est trop jeune pour régner. Son oncle, Philippe d'Orléans, est nommé régent. Ah non, il se nomme lui-même régent. Vous êtes cher, mon cousin. Combien parmi vos parents et vos amis vous ont soutenu, à part moi, quand vous avez déchiré le testament du feu roi et pris le pouvoir? Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence! Après des années de contrainte et d'hypocrisie bigote, c'est le règne du libertinage. Mais en route pour la Louisiane! Dis donc, on n'a pas commencé? Mais j'ai payé d'avance! L'exemple vient de haut, du régent lui-même. Topica, il doit mieux faire l'amour que moi. Ah oui, mais vous, vous êtes plus caressant. Philippe le caressant. Ah, joli nom pour un roi de France. À ces petits soupers, on badine, on fait l'amour, on jouit. C'est un foutu bordel. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on verrait pareil désordre. Le régent fait figure de diable. Son ministre, l'abbé Dubois, fait figure de démon. Un démon qui veut devenir archevêque, normal. Ah, écoutez-moi, cambolaille de merde, allez! Tu ne donnes jamais aux pauvres. Ah non, il y en a trop. Coléreux comme un âne rouge, blasphémateur, il a pourtant l'étoffe d'un grand homme d'État. Ce n'est pas incompatible. On dit que l'argent n'a pas de religion, ben c'est fou, l'argent est protestant. Et c'est pourquoi ces quatre têtes de bons catholiques vont tomber. Quant à Philippe d'Orléans, c'est un homme assez étonnant. Il a des idées très en avance sur son temps. Vendre des armes à certaines tribus pour en exterminer d'autres, j'appelle ça faire de la politique. Et quel mal y a-t-il à tuer les ennemis de la religion? Ça fermente, ça bouillonne, ça explose jusqu'au fond des provinces. Tourbillon d'événements sur fond de misère populaire. Un gentilhomme se dresse contre le régent. Comment, mademoiselle? Vous êtes la filleule du régent? Oui, monsieur. Naïf et intrépide, il brandit l'étendard de la Bretagne libre. L'opération est d'envergure. Ben oui. Et les Bretons dans tout ça? Eh ben, les Bretons, ils se foutent en République. Les autonomistes bretons? Déjà. Vous savez bien que l'histoire se répète. Je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous aurons disparu. Ce qui restera de notre passage. Pour Henri III, ce sont les balles des mignons. Et pour nous, ce sont les petits soupers.